Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire une revue donc d'un produit que je vous ai pas mal parlé. C'est du kit Estée Lauder. Donc voici le kit. Donc que j'ai acheté à Sephora pour, je crois qu'il était à 33 euros quelques. Ouais, mais bon, j'avais aussi une réduction. Donc c'est un petit kit qui se présente comme ceci. Donc moi, c'est pour les peaux sèches. Voilà, il y en a plusieurs. Vous avez pour peau grasse, pour peau mature. Enfin, vous avez différents kits en fait. Donc moi j'ai pris celui-là donc pour les peaux sèches parce que j'ai la peau un peu enfin, qui commençait un petit peu à devenir sec. Et ça m'a pas mal aidé. Donc dans le kit vous avez un démaquillant. Ça c'est un sérum pour le soir, une crème hydratante et un contour pour les yeux. Donc je vais ouvrir et je vais vous parler des produits un par un. On va commencer par le démaquillant. Donc c'est un démaquillant mousse et je vais me ridiculiser. Mais pour moi, démaquillant mousse, ce que je faisais, c'est que je prenais un coton, je mettais dessus et après je me démaquillais. Et c'était de la merde. Je me suis dit, c'est de la merde. Parce qu'il est super, il est vraiment réputé ce machin. Il est vraiment très réputé. Je me disais, mais c'est de la merde, ça fonctionne pas, ça enlevait rien, ça séchait. Et je crois à la troisième utilisation, je me suis dit, peut-être que ça s'utilise avec de l'eau. Parce que je voyais, il y avait écrit Perfectly Clean, Splash Away. Je dis Splash, c'est Splash de l'eau, quoi, mon ami. Et c'est là que j'ai compris qu'il faut l'utiliser avec de l'eau. Donc oui, je suis conne. Donc c'est pour les peaux normales à peau mixte. Donc en fait, vous en prenez un petit peu. Donc il m'en reste encore dedans. Bah, je vais vous montrer la texture, mais je pense pas que vous allez voir grand-chose. Je sais pas si vous. En fait, c'est de la mousse en fait. C'est une espèce de texture mousse crème. Voilà, je me suis foutu partout. Qui sent super bon. Tous les produits, ils sentent super bon. Sans garçon. Ça sent du parfum. Comme le parfum. Oh, je me suis foutu. Ça sent le parfum en fait. Ça sent super bon. Donc en fait, vous en mettez un petit peu dans votre main. Enfin, d'abord, vous humidifiez la figure. Vous en mettez un petit peu sur votre main. Moi, je frottais un petit peu. Ça fait une espèce de mousse, mais c'est pas une mousse waouh, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez léger. Après, il faut mettre partout sur le visage, frotter, frotter. Et après, vous rincez. Et ça enlève parfaitement bien le make-up. Ça enlève toutes les traces de make-up. Moi, après, je passe une lotion. Quand je passe ma lotion, il reste rien. Il n'y a pas de traces de make-up ou quoi que ce soit. Donc, ça enlève vraiment tout le make-up. J'en suis foutu dans la main et ça a dû partir. Je suis trop intelligente. Donc franchement, c'est un super démaquillant. Alors je ne connais pas les prix à l'unité. Donc ce que je vous invite à faire, c'est aller. Je vous mettrai le lien de Sephora parce que je l'ai acheté à Sephora. Allez sur le site et regardez un peu les prix à l'unité. À l'unité, je sais que c'est un peu cher. Donc sinon, c'est pour ça que le kit, c'est plutôt un bon deal. Mais le démaquillant, il sent super vraiment bien. C'est super agréable à utiliser. Moi, je sais qu'avec ce kit-là. Bah, c'était pas une corvée quoi, parce que c'est vrai que des fois tu vas te mettre ta lotion, tu vas te démaquiller, mais c'est un peu à contre-cœur. Là, c'était vraiment un plaisir pour moi. J'étais contente de faire ma petite routine de visage. C'est super agréable à utiliser, ça sent superbement bon et c'est très efficace. Je sais pas combien il coûte à l'unité. S'il coûte pas trop cher, je pense que je le rachèterai. Après, s'il coûte cher, franchement, je vous avouerai que non. Parce que démaquillant, j'ai pas non plus besoin, je me maquille pas énormément, donc j'ai pas besoin de quelque chose d'incroyable. Donc là, je vais vous parler du sérum. Donc c'est un complexe de réparation. Donc c'est un sérum à utiliser donc le soir. C'est-à-dire une fois que vous êtes démaquillé donc la figure, ça va mettre avant la crème hydratante. Ça va préparer en fait votre peau à la crème hydratante. Donc celui-là, parce que la Estée Lauder en fait plusieurs. Vous avez dans plusieurs couleurs. J'aimerais bien tester le bleu, le idéaliste. C'est plutôt pour peau jeune. Celui-là, c'est vrai que c'est plutôt pour les peaux matures, on va dire. Mais pourquoi moi j'ai pris ce kit-là, c'est que bon, vous allez dire que je fais une fixette sur les trucs anti-rides, mais en fait ça c'est très bien. C'est très bien pour les peaux matures parce que ça prévient. Il est écrit sur la boîte. Ça prévient les rides, etc. Oups. Nanana. Donc commencez dès maintenant. Protection, prévention, premier rite. Protection, prévention, premier rite. Donc, réduit. Donc, ce petit machin-là,
tout petit. Il est, mais. Enfin, c'est pareil, il est super. C'est super agréable de l'utiliser. En soi, il n'a pas une odeur particulière. Il sent bon, hein, mais. Il est super agréable à utiliser. La texture, bah, c'est une texture de sérum, hein, tout bête. Donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Il faut vraiment en prendre un tout petit peu. Vous en appliquez un peu partout. Et ça s'étale. C'est comme si un peu vous appliquiez de l'eau en fait. Et ça s'étale parfaitement bien. Et moi j'ai remarqué, j'ai à un moment donné j'ai arrêté de l'utiliser. Je voulais juste voir un petit peu la différence. Parce que je me suis dit, parce que moi tout ce qui est base de teint, sérum et trucs comme ça, je vois jamais les différences. Je me dis toujours, mais à quoi ça sert en réalité? Donc j'ai arrêté de l'utiliser. C'était une petite expérience pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai vu une différence justement. Bah disons que la crème hydratante elle est très très bien, mais c'est vrai que quand j'appliquais ça, ma peau bah, ça hydrate deux fois plus la peau et ça, c'est vrai qu'ils disent que ça prévient les ridules, les premières rides, etc. Bah, c'est vrai que ça, t'as l'impression d'avoir la peau lisse en fait, plus lisse, plus douce en fait quand tu l'utilises. Donc, moi, ce sérum là, je le kiffe, il coûte extrêmement cher à l'unité, c'est un gros pot en fait. Et c'est vrai que là, vous avez vu, c'est un truc normal. Mais dans celui-là, la grande taille, l'embout, il est. Comment on appelle ça? Une pipette, voilà. Il y a une espèce de pipette, en fait. Et c'est avec des gouttes, en fait, que tu. C'est marrant, le packaging. Mais il est extrêmement cher. Je crois qu'il y a. C'est le moins cher, c'est 65 à 90 euros, quoi. Donc c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement cher. Je le rachèterai pas, pour être honnête. Je rachèterai, je pense, s'il y a encore. Je rachèterai le kit, mais je rachèterai pas l'unité parce que c'est 90 euros, 60 euros pour ça. Même si c'est super efficace et que j'adore, j'ai pas les moyens de mettre autant quoi. Si vous avez les moyens, tant mieux, mais moi j'ai pas trop les moyens. Donc si jamais un jour il y a une promotion, un truc comme ça, pour mon anniversaire, on sait jamais. Mais franchement, très très bien. Bah, ils disent que ça prévient, je peux pas vous dire si c'est efficace ou pas, ils disent que ça prévient les premières rides, etc. Moi j'ai vu par rapport à l'hydratation, mais après est-ce que ça prévient les premières rides, je sais pas. Je suis encore jeune quand même. Ensuite, on va parler de la crème contour de yeux. Donc c'est la Advanced Night Repair Eye Synchronized Complex. Donc complexe de réparation synchronisée contour des yeux. Donc normalement, elle s'applique que le soir. Moi, je l'applique le soir et le matin. Pourquoi? Je vais vous montrer. Donc il me reste encore. Donc je vous montre, enfin je vais essayer de vous montrer un petit peu la texture, mais je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est un espèce de gel transparent. Et après, vous avez juste à étaler. C'est super agréable. Ça s'étale superbement bien. Et après, ça fait pas du tout un effet gras ou quoi que ce soit. Vous avez la peau toute douce. Vous voyez, là, je viens juste de le mettre. J'ai juste de le mettre, hein. Et là, quand je touche, bah, j'ai la peau toute douce. J'ai pas du tout la peau grasse ou quoi que ce soit, elle est toute douce. Enfin, ça se met au contour des yeux, hein, là, c'était juste pour vous montrer. Mais donc moi, j'appliquais matin et soir. Pourquoi? Par rapport à la texture. C'est une texture un peu. Bah, vous voyez les bases de teint, comment c'est la texture que ça, c'est un petit peu le même style. Et j'ai remarqué que quand je mettais ça et quand je mettais mon anti-cerne juste après, et ben ça tenait. J'avais pas besoin de poudrer quand mon anti-cerne, il durait toute la journée. Donc ça fait aussi une très bonne base, une base de contour de yeux. Je sais pas si ça existe, mais c'est super efficace. Donc ça hydrate très bien sans avoir un effet gras. Et ça, c'est génial. La plupart des crèmes pour les yeux, ben ils sont très très riche quoi, en gras quoi. C'est vraiment, ça fait vraiment très très gras. Et c'est vrai que d'habitude je peux pas les mettre la journée parce que c'est trop gras. Et soit c'est trop gras, soit c'est trop, il y a trop d'eau en fait. Comme j'avais utilisé celle de Beauty Shop, la vitamine E, c'était trop, c'était, je pense c'était fait à base d'eau. Et c'était même ça, je pouvais pas après mettre mon anti-cerne puisque ça bougeait. Enfin, c'était une catastrophe, donc je pouvais pas. Avec ça, je peux le mettre matin et soir, ça bouge pas. La texture, elle est parfaite. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Vous prenez vraiment un tout petit peu et ça s'étale très très bien. Moi, j'en mettais vraiment partout au contour des yeux. Ça hydrate très bien, ça ne vous assèche pas la peau. C'est vraiment très 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 efficace. Donc après, encore une fois, c'est un effet anti-rides. Donc, enfin, c'est pour les premières rides. Donc voilà. J'aime bien ce genre de produit. Comme j'ai 25 ans, je vais bientôt avoir 26. Je pense que c'est à cette période-là qu'il faut commencer à faire attention. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. C'est vrai que quand t'as des rides, tu peux mettre des crèmes, c'est mort. Elles sont là, tes rides, elles partiront pas. Donc je pense que c'est vraiment avant qu'il faut faire attention. Et donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup ça. Pareil, je pense que c'est assez cher.
Je me rappelle plus, j'avais regardé, je me souviens plus du tout le prix. Ça, je suis tentée de le racheter, mais je pense que je vais d'abord finir celle de chez Kiehl's. Kiehl's, c'est la crème à l'avocat. Une fois que je l'aurai fini, et je pense que ça sera dans très très longtemps, parce que le pot il est quand même assez gros, peut-être que je la rachèterai ou je la rachèterai pour le soir, ou c'est bientôt mon anniversaire le 4 juin, les filles. Ok? Vous savez ce que vous devez m'offrir. Donc ensuite, Ensuite. la crème, la fameuse crème hydratante. Donc, Advanced Multi Protection Antioxidant Cream SPF 15. C'est un soin expert multi-protection, donc pour peau sèche. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un SPF 15 dedans. Donc, vu que le soleil revient, voilà, vaut mieux se protéger un petit peu. Et moi, je sais que j'ai essayé de mettre et de la crème hydratante et une protection solaire, ça fait trop gras à chaque fois. Même si ma protection solaire, elle est 100 gras, bah, ça fait quand même gras. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir une crème hydratante où vous avez déjà une protection solaire intérieure. Donc là, vous avez une SPF de 15. Bah, je pense que c'est quand même assez raisonnable. Mais après, bon, c'est pas ça. Il faut quand même éviter de trop vous exposer. Hein. C'est pas ça qui va vous protéger du soleil. Hein. SPF 15, surtout que les protections, quand vous exposez au soleil, il faut en mettre régulièrement. Mais je pense que c'est déjà ça. Donc, appliquez matin et soir après votre sérum réparateur. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Bon, déjà, le packaging, il est super beau, je trouve. J'adore la couleur. C'est que le turquoise, ça va être ma couleur de l'été. Il est turquoise et doré. Ça sent super bon. J'ai tout fini. Ça sent trop, trop bon. Encore une fois, je m'en fous partout. Ça sent superbement bon. Donc, moi, j'adore cette crème. Ma peau n'a jamais été. Alors, je savais que j'étais une fan du Basique 3 temps. Parce que j'avais une très, très belle peau avec le Basique 3 temps. Mais, depuis que j'ai utilisé ce kit-là, ma peau n'a jamais été aussi bien. Donc, le Basique 3 temps, il était bien pour enlever mes imperfections. Mais, c'est vrai que j'avais moins d'imperfections. Ma peau était plus. Enfin, mon grain de peau était plus affiné. Mais je ne pourrais pas trop comment expliquer. Mais vous avez celui-là, il vous donne vraiment une peau, je ne sais pas comment dire, une peau plus vivante. Ça va vachement vous aider. Disons que le basique 3 temps, je pense, il va pas, c'est pas quelque chose qui va vous hydrater la peau. C'est quelque chose qui va vous enlever les imperfections, qui va vous affiner la peau. Mais votre peau va soit va être sèche ou il va pas vous hydrater la peau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous hydrate vraiment bien la peau, sans trop en faire. J'ai pas la peau grasse non plus. Mais ça va vraiment vous hydrater la peau de l'intérieur. Vous avez vraiment l'impression d'avoir une peau vraiment vivante. Et voilà, vous avez vraiment une belle peau, quoi. Moi, j'ai jamais eu une peau aussi bien que depuis que j'ai utilisé ce kit-là. C'est incroyable. Par rapport à la crème, le seul hic, c'est qu'au début, je la trouvais trop grasse pour la journée. Je me disais, mais comment je vais faire puis l'appliquer que le soir, je sais pas. Je voulais vraiment pouvoir aussi l'appliquer la journée, quoi, parce qu'elle sent trop trop bon. Elle sent trop trop bon. Et bah, en fait, du coup, maintenant je l'applique aussi la journée, mais j'en mets pas beaucoup. J'en prends vraiment un tout petit peu. J'en mets hop, 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 et j'étale bien. Et après, je fais mon make-up. Et bah, ça dure. Ça dure. Après, voilà. Par contre, il faut pas l'utiliser la journée seule. C'est-à-dire, si jamais vous ne vous maquillez pas, je vous conseille pas de la mettre, ou si vous la mettez, il faut quand même poudrer. Même si vous mettez rien d'autre, il faut quand même poudrer. Parce que même si ça va pas avoir un effet gras, votre peau elle va être luisante. Elle va vraiment bien refléter la lumière. Et du coup, ça va donner un effet un peu luisant, même si vous n'avez pas la peau grasse. C'est-à-dire, si vous touchez, vous n'avez pas la peau grasse, mais ça donne un effet de peau luisante en fait. Donc, c'est pas à utiliser seul. Il faut se maquiller ou au moins poudrer. Voilà. Moi, je sais que quand je ne veux pas me maquiller, je mets ma BB Cream en fait, de chez Misha. Voilà, mais je mets pas de crème, je mets pas cette crème là. Et pour vous dire tellement je l'aime bien, je l'ai rachetée. Tadam! Je l'ai achetée en gros. Donc j'ai le bébé et j'ai la maman. Vous voyez la différence entre un gros pot et le pot du kit quand même. Donc dans celui-là, vous avez dans celui-là du kit, vous avez 15 ml et dans celui-là, j'ai 50 ml. Donc il y a quand même une grosse différence. Donc, moi je ne l'ai pas acheté très cher, je l'ai acheté 22 euros. Mais je l'ai acheté à une youtubeuse, blogueuse, facebookeuse, Yaz Maquillage. Yas Maquillage. Elle me l'a fait donc à 22 euros. En plus, elle habite à Londres, donc c'est les frais de port compris.
En magasin, je crois que ça doit être 30, 40, 50 euros. J'ai aucune idée en vérité. Mais voilà, 22 euros, c'était vraiment. Je sais que je me rappelle que c'était vraiment un bon deal, quoi. Donc voilà. Donc pour 50 millilitres, 22 euros. Estée Lauder, je trouve que c'est vraiment un bon deal. Et je l'utilise. Je l'utilise tellement je l'adore. Bon, elle sent encore pas mal. Et elle sent, mais les filles, elles sentent trop bon. Donc c'est à base de concombre. Alors, est-ce qu'il y a écrit les ingrédients? Alors, je sais qu'elle est à base de concombre. Alors, après, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est ça qui fait l'odeur, mais elle sent, mais des filles divinement bon, c'est incroyable. J'adore l'odeur, c'est incroyable. Et puis, quand vous l'appliquez, ça a un effet frais, en fait, sur la peau. C'est vraiment. C'est super agréable le matin, moi, j'adore. Ça donne un effet frais et c'est super agréable, ça sent bon, ça hydrate votre peau. C'est vraiment génial. Donc, moi, par contre, hein, n'oubliez pas que c'est pour peau sèche. Donc après les autres crèmes pour peau mixte, enfin ça c'est pour peau sèche à peau normale, voilà. Donc là ma peau elle n'est plus vraiment sèche, mais quand je continue quand même à utiliser. En ce moment j'ai la peau normale, c'est-à-dire je n'ai pas la... j'ai ni la peau sèche, ni la peau grasse, ni la peau mixte. Elle est normale ma peau. Elle graisse pas et elle n'est pas sèche, elle est normale. Donc j'utilise celle-là qui est pour peau sèche, mais voilà. Ça hydrate, ça continue à hydrater sans faire un effet de gras. Et cette crème-là, honnêtement, bah, j'ai d'autres crèmes à finir, mais une fois que je les aurai finies, je la rachèterai. Je sais que c'est un peu cher Estée Lauder, mais bon, j'ai souvent des moins 20% chez Sephora, des trucs comme ça, donc bah, c'est toujours ça de prix, parce que ça vaut vraiment, mais vraiment le coup. Donc je sais pas, peut-être que j'achèterai le kit, peut-être que j'achèterai juste la crème, je sais pas trop comment je vais faire, mais. En plus, vous êtes certaine d'avoir remarqué. Hein, on m'a, enfin, je sais que ça, beaucoup d'entre vous m'ont complimenté sur ma peau, m'ont demandé ce que j'avais fait. C'est vrai que au fil des vidéos, vous avez pu constater que ma peau s'améliorait, que j'avais moins d'imperfections. Vous avez vu aussi ma peau au naturel, voilà. Même si la caméra, elle arrange. Hein, je sais pas comment vous me voyez, mais ma peau n'est certainement pas aussi parfaite que ce que vous voyez. Hein. La caméra arrange bien les choses. Mais franchement, ce kit-là, il n'y a pas mieux. Y a pas mieux. Le basique 3 temps comme dit de chez Clinique, c'est quelque chose qui va vous enlever les imperfections, vous affiner la peau, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment vous hydrater. Ça a même tendance un petit peu à sécher la peau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous hydrater de l'intérieur. C'est super agréable à utiliser. Moi, c'est un plaisir quand j'utilise ces produits-là. C'est toujours un plaisir. Tu dis pas oh, la flemme, c'est tu le fais, hop, t'es trop contente. Après, tu te sens trop bien. Puis la peau, elle est resplendissante, quoi. C'est vraiment incroyable. Franchement, les filles, 33 euros pour ça. En plus, ils disent que ça dure 3 semaines. Moi, ça m'a fait un mois et demi. Même certains produits, ça m'a fait 2 mois. Ça et ça m'a fait 2 mois. Donc, le démaquillant, je ne l'ai pas utilisé tous les jours. Il me reste encore. Je ne peux pas vous dire combien de temps il reste. Il y a 30 millilitres dedans. 30 minutes, c'est quand même pas mal. 30 minutes, n'importe quoi. 30 millilitres, c'est quand même pas mal. Ça vous dure quand même un bon moment. Donc, celui-là, c'était pour non, pour peau normale à peau mixte. Ça et ça, comme je l'ai dit, ça fait un mois et demi, 2 mois. Alors, ça fait pas du tout 3 semaines. Parce que vous avez vraiment pas besoin de beaucoup, quoi. C'est des produits qui s'étalent vraiment bien. Dans celui-là, vous avez 5 millilitres. Et dans celui-là, vous avez 15 millilitres. Mais ça vous dure super longtemps, les filles. Donc, ça dure pas 3 semaines, marqué. La crème, elle m'a duré un mois. Elle m'a duré un mois parce que je mettais matin et soir aussi. Mais bon, vous avez vu, je l'ai racheté. Donc voilà mon petit kit. Estée Lauder. Voilà, je kiffe. Et tellement j'ai kiffé les produits de soins que je me suis beaucoup intéressée au maquillage. Et j'aimerais bien tester le Double Wear. Et, soit le fond de teint Double Wear, soit le Double Wear Light. Donc qui est plus léger. Il y a un blush que je veux. C'est le blush Peach Nuance. Il est trop magnifique ce blush-là. Enfin, j'ai repéré pas mal de trucs de leur marque. La luminosité, elle est bizarre, non? J'ai vu pas mal de choses de leur marque au niveau make-up et ça me tente vraiment beaucoup, quoi. Et Estée Lauder, c'est vraiment une marque que j'ai découverte et que j'adore. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que j'ai répondu à vos questions, que j'ai un peu tout dit. Après, comme j'ai dit, hein, moi, c'est le kit que j'ai utilisé, les produits que j'ai utilisés. Après, ils ont pour tout type de peau, hein. Ils ont pour peau grasse, à peau mixte, etc. Donc, après les autres produits, je sais pas trop comment ça se passe, mais je pense que si ceux-là ils sont bons, les autres doivent être bons aussi. Hein. Estée Lauder, c'est vraiment très réputé, c'est cher, mais ça vaut le coup. Donc, après, ça dépend des budgets de chacun.
Par rapport à la crème, j'ai oublié de préciser. Oh merde, je ne l'ai pas sur moi. Il y a une crème de Neutrogena qui est un peu similaire. Ah, bah, si jamais je retrouve le nom, je vous le noterai. Sinon, regardez dans les crèmes Neutrogena, il y en a une qui sent le concombre aussi, qui a exactement la même odeur que celle-là. C'est celle que j'utilisais avant quand je faisais pas encore de vidéos. Mais elle est vraiment très efficace aussi, celle de Neutrogena. Si jamais c'est un peu trop cher pour vous. Mais bon, le kit, 33 euros, vous avez des réductions à Sephora. Donc, franchement, au moins testez. Testez pour voir ce que ça donne. Vous en avez pour un mois et demi, 2 mois maximum. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà testé ces produits-là, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao les filles.